Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne de Fashion Trusty, le syndicat de la mode. Aujourd'hui, on va parler mode avec 6 conseils pour avoir plus de style. On espère que vous allez bien. Donc si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne, eh bien abonne-toi et rejoins-nous sur Instagram. Et profite-en aussi pour télécharger gratuitement notre guide mode, donc le guide mode défi stylé. Donc dans ce guide mode, tu vas trouver des looks inspirants et des conseils pour avoir plus de style. Et comme d'habitude, donc si tu as des problèmes stylistiques, donc n'hésite pas à nous laisser un petit commentaire et on se fera un plaisir d'y répondre. Conseil numéro 1, faire du layering, c'est-à-dire des superpositions. Donc porter plusieurs couches de vêtements sur soi. Donc quand vous avez l'habitude de porter un simple haut comme un t-shirt ou un pull, ajoutez-y une couche de vêtements supplémentaire, c'est-à-dire une veste. Et là, votre look deviendra plus intéressant, plus stylé. Ou alors, vous pouvez superposer des vêtements de différentes longueurs. Par exemple, une chemise longue, par-dessus vous ajoutez un pull et vous terminez avec un manteau. Donc le fait d'avoir des longueurs différentes, d'avoir des couleurs et des matières différentes, donne de la dimension et de la structure à votre look, donc plus de style. Conseil numéro 2, faire du swap. Ça veut dire remplacer ou échanger un vêtement par un autre. Donc si vous avez l'habitude de porter toujours un t-shirt avec un jean, remplacez votre jean par un pantalon cuir ou alors un pantalon de costume. Et là, votre look passe à un niveau supérieur. Le fait d'avoir une matière différente que le jean va vous donner plus de style. Conseil numéro 3, intégrer des imprimés à vos looks. Donc quand vous avez l'habitude de porter des choses basiques dans la forme ou dans la couleur, donc intégrer des imprimés dans vos looks donne plus de relief et de caractère à votre style. Donc n'hésitez pas à jouer avec les imprimés du type rayure, poids, carreaux, etc. parce que les imprimés seront la pièce forte de votre look. Donc ils apporteront l'originalité et la touche mode de votre tenue. Et porter des imprimés vous donne plus de style. Conseil numéro 4, mettre de la couleur dans vos looks. Donc la couleur apporte le peps, le sel et le poivre, voire même le piment qu'il manque à un look. Donc mettez de la couleur pour égayer vos looks et vos journées. Faites comme Nadège. N'hésitez pas à utiliser du fuchsia, du bleu, du rouge. Donc peu importe que ce soit une couleur franche ou une couleur pastel, n'hésitez pas à mettre de la couleur dans vos looks. En portant des couleurs, vous aurez plus de style. Conseil numéro 5, mettre ses atouts en valeur. Ne cachez pas ce qu'il y a de plus beau dans votre silhouette. Montrez-vous. Donc si vous avez de jolies jambes, eh bien mettez-les en avant, montrez-les. Portez des jupes. Si vous avez une jolie poitrine, portez des décolletés. Le décolleté tendance en ce moment, c'est le décolleté cœur. Il n'y a rien de plus stylé qu'une femme qui met en avant ses atouts. Conseil numéro 6, avoir une belle mise en beauté. Donc peu importe votre style, peu importe votre tenue, avoir une belle coiffure et un beau maquillage donne une signature à votre look. Ce sont toujours les détails qui font la différence et apportent le plus mode, qui vous donne plus de style. Wow. Petit récap de nos 6 conseils pour avoir plus de style. Donc conseil numéro 1, le layering, c'est-à-dire faire des superpositions. Conseil numéro 2, faire des swaps, c'est-à-dire échanger un vêtement par un autre type de vêtement. Conseil numéro 3, porter des imprimés. Conseil numéro 4, porter de la couleur. Conseil numéro 5, mettre ses atouts en valeur. Et conseil numéro 6, avoir une belle mise en beauté. On espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu vers le haut, liker, partager. Donc on se donne rendez-vous dans les commentaires donc pour échanger, donc on adore vous lire, donc n'hésitez pas à nous mettre un petit commentaire. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao. We'll be right back.